Voilà, normalement, évidemment, on s'arrête pour faire tout ce qu'il faut, mais nous, on le fait pas. De toute façon, ça se voit pas vraiment. Faut oublier de mettre la pompe et tout, hein. Allez, qu'est-ce qu'il dit? 82, bien. On vérifie ça. Je marque l'heure, il est 31. Donc tu vois, là, je fiche le bazar. Je mets 31. Je reprends ça. Alors, on met un cran de volet, on met la pompe. J'ai mon cran de volet. T'es ok, t'es parti? C'est parti. Eh ben, on lâche les freins et on met la puissance. Badin actif, pas d'alarme. Merde, si tu prenais le manque, ça serait bien. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je pilote avec main gauche maintenant, tu sais. Donc là, tout d'un coup, ça m'a fait bizarre de mettre la main droite. Pareil, dans le simulateur, t'as aucune. Voilà, toi, regarde. T'as aucun retour d'effort, donc tu fasses gaffe à bien gérer le bazar. Là, tu vois, je sais pas pourquoi il est un peu. Bon, montée initiale, c'est bien. Bon. T'as pris ton top à 32 31, moi, j'avais. 31, ok. Donc, on cherche 1400 pieds. Et on décolle sans briefing et tout, hein. Oh là 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 là. Ok. Alors attends, 1400. Alors lui, il faut pas s'étonner, il est un petit peu plus de 200, de 2500, c'est normal hein, pour le simulateur. Alors attends, là j'essaye de le trimer. Il est un peu violent là. Bon. Donc c'est pour ça que je dis régulièrement, tu sais, quand je commence une PPL comme ça, que l'altitude c'est pas forcément un truc ultra prioritaire. J'essaye de le faire bien sûr, mais vu que le simulateur il est pas toujours évident, j'ai pas perdre 2 minutes, tu vois, essayer de trimer un truc pour lequel j'ai pas de sensation. Voilà, je crois que c'est à peu près bon là. À peu près bon. Bon, alors on est sur quel cap là? On devrait être sur un 155 normalement. Tu vois, c'est presque bon. Et regarde, t'as vu la vitesse? Vitesse, moteur. C'est bon. Et même l'altitude, c'est bon. Ouais, ouais, là j'ai réussi à peu près à. Alors, donc on a la ville à droite, une fois, la ville à gauche, deux fois. Et là, pour le coup, on va passer en fréquence. Putain, on n'est pas passé sur la. Sur la bonne. Sur 121. Hein. Voilà, on est sur Melun. Donc, si tu as envie de faire de la radio, tu peux. Vas-y, alors je te surveille. D'accord. Voir comment tu fais, ouais. Tu veux, ok. Moi j'ai jamais volé avec toi, alors toi t'es monté avec moi j'ai jamais volé avec toi encore. Ok, bon alors mon immatriculation c'est Golf Zulu. Melun de Fox Golf Zulu Sierra Lima, bonjour. Melun le Fox, alors bon, etc. Hein. Évidemment ça je fais pas la réponse. Melun Fox Sierra Lima DR400, deux personnes à bord en provenance de Logne
à destination de l'aigle, 1400 pieds, on est un peu loin quand même pour communiquer avec la tour. À 2 minutes de novembre pour un transit vers Bravo. Normalement c'est 9 minutes on a. Ah si ça y est. C'est 9. 5 minutes. On a décollé à 31, là c'est à 40. Non, il y a 5 minutes hein, pour arriver à novembre. C'est pas 9 Attends. Et moi j'ai un novembre à 5 minutes, tu vois. Ah ouais, c'est bizarre ça. Ah oui, mais pardon, c'est 9 minutes. C'est 9 9 nautiques, ouais, c'est à 5 minutes. Ouais. Alors, prévu normalement à 36. D'ailleurs, tu vois, novembre, il est là. Ah oui, le TGV à gauche, un peu à gauche, c'est ça? Ouais. Bon. C'est le ça doit être juste à gauche, au-dessus de la casquette. Ouais. D'ailleurs, regarde l'altitude, la 1600. Tiens, voilà, ça y est, je vois la ligne de chemin de fer. Là. Alors, on est sur le point tournant. Donc, il nous a donné le transpondeur, hein. On l'a noté, bien sûr. Alors, le checkpoint tournant au top, il sera 37, je pense, peut-être 38. Top, le cap, on va prendre le 233. Putain, l'altitude. La radio, la 233. On fait pas de vérification. Ah, ben si, là-dessus, on fait une vérification, hein, dis donc. Tu vois ? Ok, on est bon tous les deux. La radio, on vient de la faire. La nave, on n'en fait pas. Les instruments sont en vert. Tout va bien. On a l'essence. On continue. On est au-dessus de novembre. Et je vérifie mon top. Tu vois, il est 37. Ok. Donc, on avait un petit vent de face finalement. Voilà. Alors, ça, après, c'est le gros problème, c'est de savoir à quel moment tourner exactement. Moi, je dirais que c'est maintenant. Allez, hop, symétrique. Bardé là, je fais quoi, 233, 235, donc on a un petit vent de gauche, hein. On a un léger cap à gauche, plutôt un 230, voilà, bon il est gentil en altitude là, c'est bien. Bon, ben, il n'y a plus qu'à regarder, hein, et à suivre. Là, c'est la ville de Melun, c'est en face, à gauche. Pas... À gauche, là. Ouais. Alors, attends, la piste, elle... c'est celle qu'on voit au loin, là-bas, oui, la piste. Oui, juste à gauche. Ça doit être ce qu'on voit au centre de l'écran, la piste, là. Oui, là, je crois, c'est ça. L'altitude, elle est toujours bonne, le cap, il est bon. Donc hier il m'a expliqué que justement il fallait un petit peu slalomer, tu sais, quand on passe au-dessus de la ville là ici. Ouais. Et donc ton estimé c'est à... Alors mon estimé, attends que je te dise ça. Plus 11 minutes, donc ça fait 38, ça fait 48. Et bon, on reste sur Melun. Ah, tu connais la fréquence de... La Ferté Allée, ouais. 129. Décimale 7,5 ou 129. 129, 7,5, ouais, c'est ça. Ouais. 129. Hop là, il y a quoi là ? 129. 7,5. Ça c'est prêt, ça sera plus à faire. Il faut que je mette la carte aussi là. Alors, ici, bah, je crois que c'est comme hier, tu vois là, voilà. À gauche là-bas, on a par ici là, on a la prison, je crois. Hein. Bon, alors déjà, ce qu'il faut faire là, c'est altérer le cap.
passer au-dessus des bâtiments en question. Ça fait plaisir de le retrouver avec des petites aiguilles, tu sais. J'aime bien, moi, oui. Les aiguilles. Moi, j'aime bien le... J'aime bien les fils aussi, tu vois, je prends l'habitude, mais... Et t'as volé aujourd'hui, t'as volé sur... Bah hier, c'était sur ton coaster, ouais. Ouais. Ah, une éolienne, là. Là, ça me rappelle ce que j'ai vu hier. Tiens, t'as vu, j'ai réduit un tout petit peu le RPM là et le vario. Bah, tu me diras, je tournais un petit peu aussi, donc normal. Il y a 48. Hein. Donc là, tu vois, quand je regarde à droite, t'as l'impression que ça saccade un peu, c'est normal. Je regarde vers Paris. Déjà vers Paris, le simulateur, il mange un petit peu. Parce qu'il y a Paris à prendre. Tiens, tu vois Bravo en face, là-bas? Ah oui. Ok. Je pense que c'est ça. Je suis à combien, là? 220. Par contre, évidemment, Tango Oscar, il te dit à combien de temps tu te trouves de ton prochain point. Ça, c'est si bien. Tu, ça. Si tu mets le GPS. Oui, bien sûr. Ah ben oui. Oui, mais ah, non, moi, quand je n'utilise pas le GPS. Ouais, d'accord. Oui, moi, c'était ma première nave avec le GPS. Hier? Ouais. En fait, j'avais fait l'autre précédente, c'était aussi avec le GPS, c'était vraiment pour découvrir, ouais. Et commencer à utiliser un petit peu. Hier, c'était la première nave intégrale avec le GPS. Et là, on est déjà sur Bravo, là. Et il est que 43. Hein. Ouais, donc le vent derrière. Et là, il nous pousse, hein. Melun de Fox Sierra Lima à 30 secondes de Bravo pour vous quitter. Déjà Bravo, c'est un truc de fou ça. Ah oui, non, je sais pourquoi. Non, mais c'est normal. C'est parce qu'on a l'habitude de le prendre à Bravo, mais mon top, moi, il est pas à Melun, il est à La Ferté. Oui, mais entre novembre et Bravo, t'as 7 minutes. Voilà. Et alors, donc là, il est 44. On était rentré à. Bah ouais, 37. Ok, on est d'accord. Bah, tu vois. Hop là, t'as vu, j'ai oublié d'enlever. Et tu changes la fréquence? Ouais. Ok, crac. Ça y est, c'est mis. Okay. Donc on garde le 233. Alors attends, le 233. Ouais, tu vois, je suis un petit peu à droite quand même. À gauche, pardon. Un tout petit peu baissé. J'aime pas qu'ils me prennent pour un crétin là. J'y ai rentré un plan de vol et pourquoi ils me le demandent? Oh. Ah, un petit peu de montée. Alors je crois savoir où doit se trouver. Tiens, t'as vu, regarde là. Ça bouge un peu. Ouais. C'est le vent, hein. Ça, c'est le vent, ouais. C'est la caméra, en fait, qui estime qu'il y a quelque chose, il y a de la turbulence ou je ne sais quoi. Parce que bah, dans le simulateur, il doit calculer qu'il y a un peu de turbulence. Donc voilà, on secoue les... Ah ouais, ça bouge. Ça bouge. Ça bouge un peu, même. Hein. Ouais. Alors, il y a une petite ville, là.
là je suis à 20 degrés à droite. La Ferté de Fox Golf Sierra Lima, bonjour. La Ferté Allée, le Fox Sierra Lima, DR400, deux personnes à bord sans trop largueur. En provenance de Melun, destination de l'Aigle pour un transit vers l'ouest, juste au nord de vos installations, verticale 1400 pieds estimé dans 2 minutes. Ah, ça y est, je crois qu'il est là. Hop là, t'as vu, je suis en train de me casser la gueule. Oh. Tu vois le terrain là? Non. Juste à gauche sur la casquette. Ok. La Ferté de Fox Sierra Lima, installation en vue. Alors, le point tournant, il est 47. Regardez, encore 30 secondes, on va dire qu'on est arrivé à 48 à l'heure. Voilà. Le cap, on est 250. La radio, elle est faite, il n'y a pas de nav. Merde. Les instruments sont dans le vert. On a de l'essence. Il est 47-30. Merde, j'ai pas dit le prochain cap. 286. La Ferté est là, elle est hop, 286. Okay. Tu utilises pas le marqueur là, jaune qui est sur le conservateur de cap? Non. Ah oui, pour effectivement. Alors, attends, j'ai dit quoi, 286? Même en vol normal, tu l'utilises pas? Non, effectivement. Hop là, on reste à 1500. D'ailleurs, dans le simulateur, je sais même pas comment on l'utilise. Là, le OBS avec la souris, tu vois, j'en fais le OBS, là, le bouton qui est à gauche du conservateur de cap. Moi, même sur ton gros car, je l'utilise comme ça facilite. C'est quand tu bouges un peu à droite ou à gauche, tu vois directement ça. Ah, ok, ah, je vais faire ça. Donc. Dès lors que. Par contre, là, je suis en train de me dérouter complètement par rapport à ce qui est prévu. Oui, pour éviter la ville. Ouais. Derrière, ça a l'air d'être bien, mais. Alors, là c'est la meilleure façon de se paumer. Là, tiens, remarque, il y a des antennes là-bas. Ouais. Tout à l'heure, tu avais parlé des antennes. Tiens, regarde, on passe au-dessus d'une voie de chemin de fer là. Attends, je regarde ma carte. La Ferté, elle est oui. Il y a l'autoroute, non? Et là, c'est l'autoroute. Là, c'est la voie de chemin de fer là. Ah, ok. Donc, juste après, il est en autoroute ou pas? En principe, ouais, je crois. Et il est stable, on va regarder un petit peu la carte. Alors, la Ferté Allée, ouais, on vient de passer juste là, comme ça, aucun okay, la tangentée. Ouais. Il y en a bien les deux dont tu m'as parlé tout à l'heure. Donc, sont ouais. Sur ta, on les a passés. Il y en a une ville à gauche dans la forêt. Une ville à gauche, ouais, de la forêt. Mais surtout, ce qui m'intéresse là, c'est qu'on a tangenté plus ou moins la voie de chemin de fer. Là. Mm. Il semble. Hein. Ouais, regarde, t'as vu, il y a une grande ville. C'est pas la Ferté, c'est pas. Et nos deux repères, ils sont. Enfin, nos deux arbres, là, ils sont. Par contre, là, t'as vu, regarde, on a un truc en Y. Est-ce qu'on voit un truc en Y ici? Là, c'est pas simple, c'est normal. Le cap, on a pris à gauche. Hop là. Et on se fait secouer les miches là, c'est un truc de fou cette histoire. Et on a l'impression qu'on est au ras des pâquerettes à 1500 là. Pourtant il indique du 300, du 500. On est à 900 pieds là. Ah, remarque, on est au ras des pâquerettes à 900 pieds. Hein. Alors on a un petit peu de forêt, on
On a un petit peu de ville. On est toujours sur le 280 quelque chose. Là, tu peux utiliser ton vor maintenant, c'est la prochaine fois, c'est le EPR, non? Oui, tout à fait. Alors, c'est quoi la fréquence du vor? 115 décimales 65. Ah bah tiens, viens en 11,65. Ok. Si on a capté quelque chose. Bon, 1600. Le cap plutôt un petit peu à gauche. Alors on passe au-dessus d'une deuxième voie de chemin de fer là, tu confirmes? Oui. Ah, c'est bon, ouais. Et on est à moins de 90 degrés, on doit être à 60 degrés par rapport à la voie de chemin de fer. Ok. Et dans une minute ou deux, tu peux monter, tu commences à monter. On va redescendre après ici. Hein. Non, 2000, ouais. Oui, tu peux monter. Oh oui, ça va. 2005 ici, 2000. Alors attends voir. Donc le vor, c'est combien la radiale? C'est le radial, la radiale que t'as pris, le 287, 28. C'est ton cap. Ah, il est pile dessus. 300. Voilà. Donc là, on est un petit peu à gauche du 286. Oui. Là. Un peu à droite. Un oui, peu à droite, pardon. Oui. Je te vais aller un peu à gauche. Et ah, regarde. Rattrape, ligne de tension. Oui. Ligne de tension. Voilà, donc oui. On est par là alors. Il y a un château à sa sorte à droite, non? On devrait voir sur la carte. Tu vois pas qu'il y a un petit château avant les hautes tensions. Peut-être on l'a dépassé. Ouais. Là, on dirait qu'il y a une route là qui monte vers la droite. Là. Oui, et après. Bon, donc on va aller chercher un petit peu. Ah, quoique non, tu sais. On va rester justement juste à sa gauche. Puisque quand on va arriver à Épernon, il faudra qu'on passe un tout petit peu au nord d'Épernon. Si je prends la radiale, je vais être peut-être trop dessus, non? Le problème, c'est qu'on est un peu trop loin. Ah, tiens, regarde l'autoroute. Ouais. Bon, alors je vais le récupérer. Bon. Alors, récupérer à l'autoroute, là, tu peux remonter à 2000 pieds si tu veux. 2000 pieds comme tu veux, c'est parce qu'est-ce que tu as mis dans ton log de nav. Dans le log, je vais rester jusqu'à. Alors, on le passe à. Donc là, je converge vers lui. Hein. Peut-être pas assez. Et on la passe juste au-dessus d'un virage vers la droite. Ouais, tu vois, regarde, là, on part, il y a un virage comme ça vers la droite. Mmh. Je pense qu'on doit être pas mauvais. Ah, il y a un truc que j'ai pas fait. Merde. Ah, putain, le con, j'avais pas activé le simulateur. Le tracking. On n'aura pas le tracking du début. Bon, alors. Ah, ça m'énerve, ça, j'aime pas ça. Pourtant, à un moment donné, j'étais passé le fer et puis j'ai dû estimer que. Ah, tiens, regarde. On a l'autoroute avec une route comme ça qui part en rond là. Ah merde, c'est pas celui-là. Non, c'est celui-là. Avec une route qui part en rond, je sais pas, on la voit pas. Ouais, non, c'est pas. Même pas sur ma carte, moi j'ai la 250 et je vois pas, non. Bon, alors en tout cas, malheureusement, comme j'ai activé le tracking, j'ai vu qu'on était trop au nord. Ce qui est confirmé par le. Le vent, oui, tout à fait. Et là, c'est la ville, c'est Saint-Arnoux-en-Yvelines. Saint-Arnoux-en-Yvelines, à gauche. Okay. Et sur ta droite, tu as trouvé une antenne de 700 pieds. Ok, alors attends, je. Voilà, 240, ouais, c'est bon, je suis à 30 degrés pour intercepter mon.
Tu as normalement la vérification et de l'eau là. La vérification, je la fais pendant le roulage pour être sûr. Ouais. Et là, je l'ai pas fait. Ah, tout le but de la manœuvre, c'est de vérifier qu'on suit la trace et je l'arrête pas. Mais on regarde les 10 premières minutes là après. Donc, c'est quoi l'antenne? Si tu regardes sur la carte, il y a une antenne sur ta gauche. Ah, ça doit être ce château d'eau peut-être? Je sais pas. On s'en est rapproché un tout petit peu du bazar là. Il y a encore un petit patelin. Ah, t'as vu, on s'en est rapproché là. Ouais. Allez, je commence à virer gentiment. Entrer dedans. Mais gentiment, hein. Voilà. Il y a encore un poil à gauche, hein. Un poil à gauche, oui. Et tu fais pas identification VOR Comment ça marche là? Dans le VOR, il y a un bouton. Ah oui, d'accord, pour écouter le VOR. Oui. Oui. Non. Par contre, t'as vu, plus on va vers lui, plus il s'éloigne, c'est bizarre ça. Oui, parce que quand tu s'approches, ça devient plus sensible, c'est normal. On est quand même assez loin encore, non? Ouais. Bon, alors peut-être pas tant que ça finalement. Bon, alors attends, je vais reprendre le bon cap là. Parce que tout à l'heure on était quand même dessus. Ou alors on a été complètement poussé par je ne sais quoi, mais si peu de temps ça m'étonnerait. Par rapport à la montre, là on était à quelle heure? 48, c'était 59. Il est 58 là. Ouais. Eh ben, je crois qu'on n'est pas au bon endroit ni au bon moment. Non, puis en plus de ça, il y a autre chose, c'est que là on passe sur. Bon, donc on a dit que de toute façon là on pouvait monter un petit peu 2500. 2000. Ouais. Voilà. Je pense que ça doit se faire un peu plus ton voir, sinon, oui, on va être paumé. Parce qu'on n'est pas loin. Donc, ouais, je te disais, au niveau de la scène. C'est qu'on n'est plus tout à fait sur la même catégorie de scène, tu sais. Là, on était sur de la photo scène en 3D, et là, on est sur de la scène en 2D, en photo. Donc, ouais. Les repères de type ville et compagnie, ben, pas tout de suite. Quoi. T'as vu, il fout complètement le camp. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire qu'en fait, on est vraiment à côté. Ben, de toute façon, regarde l'heure. Il est 59. C'est l'heure, ouais. Donc. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une ville, donc s'il y a une. Alors comment on fait pour retrouver le VOR dès lors qu'on l'a perdu? Un petit 360, histoire de repérer où on est. Hop, là, 2000. Il faut tourner plus fort, fait 30 ou 45 degrés à gauche, je pense. Parce qu'on n'est pas complètement arrivé, je pense. Parce qu'il passe, on est encore en tout, donc il est encore... tourne la tête un peu à gauche s'il te plaît, c'est pas ce truc là, il est là. Tu crois? Au centre de l'écran, oui, je pense que c'est ça. Ah bon? Bon, en tout cas on est dessus là. Ouais. Bon, alors, on a raté le top avec le cap, mais le cap suivant c'était, pour aller à Brézol, c'était 280, donc on va le prendre tout de suite, et on fera le nécessaire après. On va le faire un peu plus dynamique. Alors 2000 pieds, on est à 290. Bon, en tout cas, on était à l'heure. Hein. Ouais, 59.00.
Et moi, comment tu vois sur ton voir si t'es tout ou fram? Attends voir, là j'essaye de noter l'heure. Le prochain c'est prévu à 15. Attends. Merde, y a un truc que je comprends pas là. Heure réelle. Ah, 48 prévu, heure réelle 59. Épernay, non c'est ça. On y a Épernay là, je comprends pas. Un truc que je comprends pas sur mon log. Là, je me suis perdu dans mon log. Alors si je suis perdu dans mon log, c'est plus bon du tout. Non mais oui, donc... Je t'écoute. Oui, je disais, donc on a bien passé à Épernay. Ouais. Bien à 59. Ouais. Ton point, le point d'après, c'était... C'était Brezol. Dans combien de temps Attends, regarde, je suis en train de rechercher la direction qu'on a là, voilà, ça y est. Ah, voilà, il est passé à Fram maintenant. Ouais. Donc, Ah bah si, ça va, on n'est pas mauvais, là, regarde. J'avais pris le 280, là. Oui. C'est 290... Voilà à gauche. Voilà à droite. Ouais, là, c'est bon. Voilà, ça y est. Bon là en tout cas une chose est sûre, c'est qu'on est dans la forêt, dans les champs, les repères on va pas les trouver comme ça. Il y a Nogent le roi, bah dans quelques noms tu vas passer à côté de Nogent le roi. Si tu le dis. Ce que j'aurai sur ma carte, je sais sur ma 250 mais. Alors attends, moi j'aimerais comprendre pourquoi novembre 37, c'était 48. Non mais c'est incroyable ça, j'arrive pas à comprendre. 48. On est passé à 40. Bon, en tout cas, on était au-dessus du Vore à l'heure réelle, c'était 59. On est d'accord? Oui. Ça, c'était réel. Et donc, le prochain, c'est dans 13 minutes, c'est-à-dire à 12. Ok. Et le cap, on est bien au 280. Oui. Alors, on est bien au 280, mais regarde le Vore. Ok, donc il faut 30 degrés à gauche. Attends, faut que je le mette sur 280 déjà. Donc. Voilà. Ok, donc on est un petit peu à droite. Oui, donc il faut parler à 30 degrés, donc à gauche ça fait 250. Okay. Le temps de rattraper le Vore. Là, on est à 1500. Donc on n'a pas fait la checkpoint tournant. J'ai pas fait. Hop là. Chut. Voilà, pile poil. Alors on est plutôt sur un 300 là. 290. Ah, c'est vrai que c'est pratique ce truc là, mais finalement. Ah ouais, c'est ça, je le vois. Voilà. Là, regarde, on l'a laissé un petit peu à gauche encore. Ouais. Voilà. Allez, mon petit bug là. Allez, ça recommence à ce point. Donc tu vois, il y a un petit remorque, il y a quelques arbres là. Ouais, il y a l'éolienne, on a vu des éoliennes à gauche, à droite, non? À droite. À droite, il y a un petit lac. Je vois pas d'éolienne. Par contre, on est travers d'un petit lac.
Je sais pas, là, il y a peut-être quelque chose, mais c'est pas sûr. Là, t'as des éoliennes. Moi, C'est moins je pense que dangereux. j'avais ouais, je me parais que j'avais vu ça, les éoliennes tout à l'heure, après, je sais pas. Donc, Alors, dans. par contre, là, on pouvait monter à 2500, là. Alors, le cap, toujours le cap, rien que le cap. C'est un peu plus qu'un petit. Donc voilà, toi t'as vu derrière ton aile à droite. À droite, derrière, voilà. Ah ouais, tiens, des éoliennes. Effectivement. Donc, et dans un petit instant, on doit voir l'autoroute. Bien vu. On est probablement à C'est ça? gauche là, sans doute. Voilà, très C'est un bien. peu bizarre avec des arbres au milieu, mais bon, ça peut arriver. Voilà, si on regarde à droite, ça ressemble plus à une autoroute. Ouais. Donc on la coupe presque 90. Oui. Tu me diras, là je fais une montée bâtarde, hein, 170 km/h. Voilà, 2400, c'est pas maintenant qu'il faut s'en inquiéter. Hop là! Ah ouais, il te secoue un peu le truc quand même, hein. Ah, ça bouge, oui, ça bouge. Bon, alors ici c'est. Ouais, tiens, il y a de la forêt là. Alors, on a passé l'autoroute, tu m'as dit. L'autoroute. Donc, on avait des éoliennes, on avait l'autoroute, c'est ça, 90. Ouais, le chemin de fer après. Ouais, d'ici 3 minutes peut-être. 45, 40, ouais, et 2 minutes là, 3 minutes là. À peine. Et à droite, on va avoir au fond. Dreux. Dreux, 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 dreux. Attends, je regarde un peu les instruments là. Ouais, ça ressemble à ce que j'avais vu une fois. J'avais été volé du côté de Dreux, effectivement. En simulation, je parle toujours. Tiens, regarde, on passe au-dessus d'une rivière là. Bon, alors attends. Je plonge, hein, c'est normal là, c'est pour le cliquer. Tout à fait le bord. Ah, on se fait secouer quand même, hein. Moi, c'est le chemin de fer que je cherche, on le voit pas encore. Ah. Tu me rends ce qu'on est à dépasser ou pas? Non, je pense pas. J'ai rien vu qui ressemblait. Là-bas, il y a quelque chose, mais ça serait plutôt la rivière là. Si tant est que ce soit une rivière, ce que j'ai vu. Non, je vois pas de rivière sur ma carte Bon de alors. sens. Donc on l'aura de 45 degrés par l'arrière. Il doit pas être loin le chemin de fer s'il est là. Tiens, regarde en dessous de nous là. Non, c'est pas. C'est ça, Non, non? non, non, c'est pas ça. Ah, l'altitude là, il fait ce qu'il veut. Hein. Tiens, je suis à nouveau dessus. Allez, hop. Bon, donc là, il est clair qu'on l'a dépassé. Hein. C'est qu'on voit un peu mieux quand on est à 2005. Hein. Oui. Bon, cela étant dit, quand on arrive. Ah non, voilà, c'est Brezol la prochaine fois. À 12, et ensuite il y a encore 10 minutes.
Et dis donc, il est 11 là. Donc, oui. Donc, dans moins d'une minute, à moins une minute. Sachant que de toute façon, on peut garder le cap en principe, hein, puisqu'on était sur une trajectoire quasi rectiligne. Alors après, il faut attraper l'autre bord. Alors là-bas, il y a un espèce de champ bizarroïde. Tiens, regarde, il y a un patelin en dessous, là. Sous l'aile. Il y a une petite route là, il y a une deuxième route là. Là en gros il est 12, 2005. Peut-être un peu à gauche. C'est ton vor, selon ton vor, il te dit qu'il est à gauche. Là-bas, il y a quelque chose, là. Il pourrait pas y avoir une espèce de château avec un grand espace comme ça. Bon, de toute façon, on va suivre le vor. Hein. Regarde, là-bas, il y a une grande ville devant, là. Bah c'est probablement l'aigle ça. Non, il y a une ville avant, c'est Verneuil-sur-A. Ah, quelque chose. Ah ça doit être ça. Non. Brézol, c'est pas ça Brézol? C'est pas impossible. T'as une route qui arrive comme ça par le nord-est? Il y en a plusieurs, donc oui, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a une qui arrive comme ça avec un petit coude. Soit c'est une route, soit c'est une rivière, je sais pas. Non, ça, il n'y a pas de rivière ici, je pense. C'est des routes, rivière. Il y a une route, il y a un truc arrondi là. Je crois que ça peut être Brézol. Bon. Je pense que oui. Allez, on considère qu'il est 13. Allez, hop. Donc, voilà, j'arrête ça. Heure réelle 13, bah finalement c'est pas mal. Le cap 284, il n'y en a pas fait la check évidemment. Donc l'altitude elle s'est barrée en brille. C'est fou ça, dès que tu cherches, tu penses plus à faire le reste. Enfin, tu, pas que tu penses plus, c'est qu'elle est occupée donc. Mmh. Alors, tiens, regarde, t'as vu le vor là? Ouais. Il est pas mal. 284, ok, on est pile dessus là. Donc on était bien au bon endroit. Ok, 2500 pieds, on va essayer de les garder. Ça, à mon avis, ça serait l'aigle, ça ne viendrait pas. Alors, c'est quoi la ville? Verneuil, je vois pas bien, mais Verneuil, Weiner, Verneuil sur A. Ah bon, d'accord. Sur quelque chose, on commence par. C'est vrai qu'on y arrive assez rapide. Donc on est sur un 290 là à peu près. Ouais. Et tu vas pas utiliser le vor de l'aigle? Ah ouais, t'as vu, regarde. Donc là il faut récupérer le. Non, là je suis encore en train de me faire. L'autre il était quasiment dans l'axe donc je l'ai gardé, mais on va utiliser le. Restabilise le bazar là, 2500, le bon cap, je termine la check. Donc là on est plutôt sur un 280 quelque chose, on est d'accord. Le cap on l'avait bien pris, le top on l'a bien pris, la radio il n'y en a pas, la nave on est en train de la faire, voilà, confirmé, c'est dans le vert, il y a encore de l'essence. Donc tu me disais, le vor de l'aigle LGL 115, et on le prend donc sur un 280 2004. 284. Ouais. Ah regarde, hey, 284. Hey, on est en tout, hein. Ouais.
Puisque les deux, ils étaient quasiment alignés, je crois, en fait. Mais selon la carte vague de l'aigle, il dit que l'aérodrome, il est à 111, donc... mais 111 on... que DM, donc... Ouais, mais... Ah bon? Quand on vient de là où on vient? Non, dans l'autre direction, c'est 291. Oh. Donc si tu fais de... Ok. Mais on va voir, hein, quand on rentre, on va voir... Ouais. Alors, attends, j'ai fait l'estimé ou pas? Bresol plus 10, ça fait 23. Il est 17. Alors, tu sais quoi? Ouais. Est-ce qu'elle est la carte VAC? Ici. On a un vent qui vient d'où en fait actuellement? Là, il vient de nous derrière? Je pense à ce qu'on avait remarqué, mais. Donc on ira plutôt sur la 07 hein, s'il vient de par là. Yann Dreux, le vent. Ouais. Ouais. Donc on irait plutôt par là. Ok, donc la biroute, elle est à droite ici. Donc il est ouvert à la cape. Son altitude de référence, c'est 800 pieds. Le tour de piste, il est à 1800. Donc nous, il faut qu'on soit à 500 pieds au-dessus pour la verticale, 2300. Ok, très bien. Et on va le voir si on le croise avec les installations sur la droite. Bon, je vais me rapprocher du 2300. Ah tiens, t'as vu, regarde là. Ouais. On l'a perdu. Un peu à gauche. Alors, le cap, on va prendre un 260. On a une route qui traverse une forêt en face. Donc là, on s'est fait pousser à droite, peut-être. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a bien un vent qui vient de notre gauche. Là. Voilà. Tiens, je crois qu'il arrive à 2200. On va rester à 2300. Tiens, regarde, il y a une grande route qui fait une traversée comme ça, là. T'as vu? Oui. Je crois qu'on s'approche, là. Oui, on y est presque. Il n'y a pas des hautes tensions, normalement. Il y a des hautes tensions juste avant aussi. Regarde le bord, il est presque rentré. On a un croisement de route à gauche. Je commence à virer. Alors à gauche en bas, on dirait qu'il y a une sorte de ville là. Donc à droite, il y a une forêt avec une route qui la traverse. On est 2300 donc pour la verticale. Il y en a la bonne route. Oui, il faut appeler. C'est vrai. Il faut mettre la fréquence. Yes. Oui, appeler. C'est combien la fréquence? 126 décimales 8,5. 126,85. Ça me fait tourner de l'autre côté. Ça doit être ça la ville hein, à l'aigle. Alors attends voir, il est 20. L'aigle du Fox Golf Zulu Sierra Lima, bonjour. L'aigle le Fox Sierra Lima, un DR400. Tiens, regarde à droite là-bas. Un DR400 en provenance de Melun, destination de vos installations, pour un complet 2300 p, vertical estimé à 23, rappel en vue des installations. Le bord est à gauche, j'ai dérivé à droite. Donc on a un patelin là, on a une ville.
Il est là, je l'ai vu derrière toi. On te l'a dépassé, là, voilà. C'est bon, en face. C'est ça, là ? Ah oui, effectivement. Ouais. Ok, très bien. Bon, ok, alors première chose à faire. On va ralentir. On évitera d'arriver comme des calus. Alors, la réchauffe. Voilà, ça a été mise. 2300 pieds, on le garde. 150. Bien vu, Johan. L'aigle Fox Sierra Lima, on a eu un visuel sur vos installations. On est en train de déborder. On revient vers la verticale, 2300 pieds. Et on va essayer de ne pas passer au-dessus de la ville. Alors, on met un peu de patate et on vire du sec. Ça passe là, quoi. À 30 degrés, c'est bon, ça passe là. Oh, regarde, t'as vu la vitesse là? Oh là là! C'est bon, il est en face de toi, non? Justement, c'est ce que je me disais, mais je le vois pas. Pique un peu, je pense que tu vas le voir. Il est juste derrière le tableau de bord, ton tableau de bord. Si tu piques, donnez. C'est les installations à gauche, non? Là en bas, c'est les installations, t'es à la verticale. Ouais, c'est possible. Oh, on est trop près de la ville là. Ah. Mais lui il est. Ah, là, vertical, ça y est. Ok, on est dessus là. Ok, c'est bon. L'aigle Fox Sierra Lima, vertical 2400 pieds. Pour recherche. Comment on dit? Pour intégration. Non. Pour recherche et intégration. Alors donc, attends, voir. La piste 70, elle est à droite. Hein. Donc nous, il faut qu'on aille à gauche pour faire une vente arrière. Allez, hop là. Après, il faut qu'on se mette sur le 70 rapide. L'aigle Fox Sierra Lima pour une intégration standard en vente arrière 07, je rappelle, en début de vente arrière. Là, 2300. Quelle heure il est là? Il est 23. Et t'as vu, je suis reparti à 150 km, à 200 km. Ok. Donc, 9 et 7, 16. Le tour de piste, j'avais 10 800, c'est ça? Puisqu'on était à 2003. 1900. Trop loin. 1800. Ah, je crois que je vois un bout de l'installation là-bas. Bon, voilà. Est-ce que tu les vois là, les installations là? Si je les vois, elles sont à droite. Si, là. La poste, ouais, voilà, à droite. Ouais. Ok, c'est bon. Donc je suis un peu. Putain, je suis tombé là pendant ce temps là. Ok. Très bien, je reprends donc. 1800. 1800. L'aigle de Fox Sierra Lima en début de vente arrière, actuellement 1700 pieds. Réchauffe carbu. T'as mis ton réchauffe un cran de volée, je crois. Non, on est déjà là, dit. Ok, un cran de volée. Là, je suis en train de me remettre sur l'axe et on est trop court là, beaucoup trop court. On est en train de se faire pousser ou quoi là? Bon, tu sais quoi? Donc, on est reparti pour un deuxième tour de piste là, parce que c'est pas bon. On est presque au-dessus du terrain, je crois. Donc oui, tu peux t'éloigner, je pense, un peu à gauche, arrive au bout de ton de l'aile devant arrière et retourne.
merdeux, hein. On est au sud de la ville. On est à 2800 pieds. Tu me diras. Et on a perdu le terrain. Ah, bah attends. Merde. Non, ça ah, il est là. Le terrain. Okay, il est en face, ouais. L'aigle de Fox Sierra Lima en finale sur la 7-07 pour un complet. Alors, deux grandes volées, je mets la pompe, j'ai la réchauffe, je réduis tout et je cherche à m'aligner rapidement. Je surveille la vitesse. Bon, je pensais que tu vas refaire un tour, mais. Je sais pas. Non, c'est bon, t'es pas très aligné, mais. Ah ouais, je suis en train là. Alors, j'ai l'impression qu'il y a du vent à droite, donc je mets quand même le nez. Ça va. On réduit. Tout. On touche. Oups. On freine. Waouh. Je pense que c'est là le. Je pense que t'as pas pris la bonne sortie. Ah bon? Ça, c'est les Alpha. Selon Vacartvac, c'est permis, c'est interdit. Ah bon? C'est le Bravo qu'il faut aller prendre. Ouais. D'accord. Je pense. Hein. Bon. Parce que l'avitaillement, il est à gauche. Donc ça doit être. C'est. Bon, alors l'aigle, bon, la 07 dur dégagé. 07 est dégagé. Oui, je pense que t'as pas pris la bonne sortie. Ah bon. Regarde la carte VAC, tu l'as sous les yeux. Bon, alors attends, t'es en train de reconfigurer. J'ai enlevé la pompe, la réchauffe. J'avais pas mis les phares au passage. Et il est quelle heure? Il est 28. Alors la carte VAC.